ambulances et même au-delà. Essayer d'avoir au moins 2 ambulances pour permettre justement la mobilité des patients, vraiment que l'ambulance puisse jouer ce rôle. Parce que j'ai appris récemment que même des particuliers s'adonnaient au transfert de malades de Dakar, de Rossbecho à Saint-Louis ou à Richarton. Donc ça, c'était une nécessité. Et avec donc l'appui de mes amis, de ma famille, particulièrement de mon frère, nous nous sommes vite attelés à trouver une ambulance. Donc ça, c'est un premier geste. Nous pensons pouvoir renouveler ça, en tout cas trouver une autre ambulance d'ici les mois à venir, pour permettre au poste de santé d'avoir 2 ambulances. Le deuxième aspect également, c'est que vous savez, je disais tantôt que Rossbecho est une commune de plus de 11 000 habitants. Il nous faut nous battre pour qu'on puisse passer d'un poste en fait d'une unité de soins infirmiers à une unité de soins médicaux. Également la réhabilitation du poste de santé de Rossbecho. Donc ça, c'est la prochaine étape. Je peux d'ores et déjà vous dire que sous peu, nous allons participer à la réhabilitation du poste de santé et à l'équipement, puisque tout cela, nous avons été sollicités aussi pour cela. Mais il faut mettre tout cela dans le paquet de services que nous voulons offrir à la commune, étant nous-mêmes de la commune, permettre à nos parents, à nos frères et sœurs de pouvoir bénéficier de soins de qualité, de pouvoir donc avoir les mêmes chances que ceux qui sont dans des